Alléluia. On peut continuer le partage? Philippiens chapitre 3. Alléluia. Philippiens chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 13. Il nous est dit ceci. Mes frères, pour moi, je ne me persuade pas d'avoir atteint le but. Mais je fais une chose. Oubliant les choses qui sont en arrière et me portant vers celles qui sont en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, frères et sœurs, nous savons tous que Paul était un grand serviteur de Dieu, mais j'aime beaucoup le témoignage de la vie de ce frère, parce que quand on étudie un peu les écrits de Paul, on s'aperçoit que cet homme aimait beaucoup le Seigneur Jésus. Alléluia. Avant de se définir d'abord comme un serviteur, ou parce que le service est une fonction, cet homme était vraiment, se reconnaissait comme une vraie brebis du Seigneur. Et chaque jour, il s'investissait pour être de ceux qui aiment le Seigneur pour qui il est, non pas pour ce qu'il peut nous apporter. Alléluia. Et Paul était un amoureux de Jésus. Et c'est ce qui fait la particularité de son service ou son ministère. C'est ce qui a fait aussi que cet homme a pu tenir ferme face à des situations difficiles, face à toutes sortes de tempêtes, face à toutes sortes de séductions, face à toutes sortes de choses qui se présentent à nous quand Dieu commence à nous élever. Et tous ces pièges-là, Paul a pu tenir bon, non pas parce qu'il était fort ou il était quelqu'un de particulier, mais tout simplement parce qu'il savait et il a su se baser, s'appuyer, se bâtir en Christ, s'appuyer sur Christ. Alléluia. Il dit, je ne me persuade pas d'avoir déjà atteint le but. Donc on voit déjà son humilité. Il peut dire avec tout ce que le Seigneur fait dans ma vie et avec moi, et avec un peu l'expérience quand même que j'ai, mais il se dit, tant que le Seigneur n'est pas venu nous chercher, tant que je ne suis pas parti, c'est pas mon jour, eh bien, tout peut arriver, alors je reste sur mes gardes, je veille. Et c'est une recommandation du maître. Veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et vous savez, il peut y avoir des jours où on veille, et dans ces jours-là, on est fort, Dieu nous fortifie, nous fait du bien. Et là, l'ennemi nous observe parce qu'il sait qu'on est en position de force. Mais il y a d'autres jours où on est moins bien. Et c'est là que l'ennemi attaque. Alléluia. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et tout détruire. C'est pourquoi le maître a dit, il y a des choses fondamentales que le Seigneur a dit dès le départ. Veillez et priez tous les jours au quotidien. Non pas que nous puissions ou nous devions nous attendre à quelqu'un qui nous pousse derrière. Mais le Seigneur se présente lui-même comme notre maître. Et en tant que maître, nous sommes ses disciples. Donc nous sommes à l'école, nous apprenons avec lui. Il vient habiter en nous par le Saint-Esprit. Quelle grâce, quel miracle! Il n'y a pas besoin d'aller chercher Dieu quelque part, d'aller chercher Dieu auprès, je ne sais pas moi, d'un système religieux. Mais Dieu vient lui-même habiter nos vies. Alléluia! Alléluia. Et là, le Seigneur étant en nous, il ne veut pas rester muet. Dieu ne peut pas être quelque part. Jésus ne peut pas être quelque part et puis il ne parle pas. Il ne convainc pas. Il ne conduit pas. Il ne fortifie pas. Alléluia. Quand Jésus est quelque part,
dans une ville, dans un pays, dans une famille, dans la vie d'un homme ou une femme, Jésus vit parce qu'il est vivant au siècle des siècles. Et s'il vit, il parle. S'il vit, il conduit. S'il vit, il convainc. Alléluia. S'il vit, il instruit, il enseigne. Amen. Et si nous sommes vraiment, parce que notre première, c'est que nous sommes d'abord brebis du Seigneur. Avant de se définir comme je ne sais pas quoi vis-à-vis du Seigneur, nous sommes d'abord nous-mêmes brebis du Seigneur. Et dans cette identité, cela nous maintient dans l'humilité. Quoi que nous devenions en Christ, ou quoi que le Seigneur puisse faire avec nous, je me regarde moi-même d'abord comme une brebis du Seigneur, comme un enfant de Dieu, comme au premier jour quand le Seigneur m'a touché. Et cela va nous aider à avoir un état d'esprit d'humilité. Et c'est ce que le Seigneur demande. Et Paul dit, je ne me persuade pas avoir atteint le but, mais je fais une chose. Oubliant les choses qui sont en arrière, je me porte vers celles qui sont en avant. Est-ce que je me porte par mes propres forces ou par l'émotion? Non. Eh bien, comment peut-on être porté vers l'avant? Eh bien, on peut être porté vers l'avant quand le Saint-Esprit habite nos vies, il nous conduit et c'est lui qui nous porte vers l'avant. Parce que quand on regarde vers l'avant, on voit le Seigneur. Quand on regarde vers l'avant, on voit le salut de Dieu. Quand on regarde vers l'avant, on voit la raison pour laquelle nous avons dit oui à Jésus. C'est d'abord la vie et la vie éternelle. Le prix de la vocation céleste de Dieu. Alléluia. Et l'ennemi, quand il attaque pour affaiblir les enfants de Dieu, comme lui, il est limité, notre Dieu connaît le passé, le présent et le futur. L'ennemi travaille avec le passé. Et c'est là qu'il vient accabler les enfants de Dieu sur les erreurs faites dans le passé, sur les mauvaises décisions prises dans le passé, sur les faiblesses du passé. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe chapitre 43, verset 18, on nous dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien ». Frère, si c'est écrit, il y a une raison. Parce que ton Dieu sait que ta force, c'est quand tu es porté vers l'avant. Ta force, toi, enfant de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu, c'est quand tu es porté vers l'avant. Et tu es porté vers l'avant par la conduite du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te conduira vers le Seigneur. Le Saint-Esprit te conduira vers le chemin que Dieu veut que tu puisses emprunter. Alléluia. Mais la chair, les hommes vont te traîner en arrière. C'est pourquoi Dieu dit, ne pense plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Parce que c'est là que le diable maintient et détruit et affaiblit les enfants de Dieu. Vous n'avez qu'à regarder, quand vous faites des erreurs ou quand vous avez vécu des situations difficiles dans votre marche avec le Seigneur, vous demandez pardon à Dieu, nous demandons pardon à Dieu, mais nous doutons qu'il nous a pardonné. Vous vous basez sur vos émotions, sur vos pensées, frères, sœurs. Et je peux vous assurer que l'ennemi vient et il vous combat au niveau des pensées. Et nous perdons l'assurance du pardon de Dieu. Alors qu'il est écrit, quand nous demandons pardon à notre Père, il nous écoute, il nous pardonne et il oublie nos péchés. Il oublie ces choses, il tourne la page. Et cela devrait être normalement notre force. Et si on est basé là-dessus, frère, qui peut te déstabiliser? Qui peut t'affaiblir? Et Dieu a accompli cela pour te rendre fort en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, j'oublie les choses qui sont dans le passé. Je me porte vers celles qui sont en avant. Alléluia. Dis à ton voisin, oublie le passé. La seule condition où Dieu nous autorise à passer au passé, c'est quand on se souvient des bienfaits de Dieu dans notre vie. Tout ce que Dieu a fait pour toi, des bonnes choses, des promesses qui se sont accomplies, là oui, Dieu veut que tu y penses parce que cela va te fortifier, cela va te donc solidifier ta confiance en Dieu. Mais si c'est pour penser à tes fautes, à tes erreurs, à ce que les gens t'ont dit, qui t'ont blessé, qui t'ont fait mal, cela va te faiblir, te déstabiliser. Alléluia. Même dans nos couples, c'est la même chose. Notre force, c'est de tourner la page. Quand il y a eu des situations difficiles avec ton mari ou ta femme, la puissance du pardon de Dieu intervient. Et là, nous libérons notre cœur, la page est tournée et nous nous portons vers l'avant. Comment peut-on se porter vers l'avant? En fait, c'est Dieu lui-même qui vient, qui te saisit. Le Saint-Esprit te remplit tellement que tu n'as plus le temps de passer au passé. Tu es porté par le Saint-Esprit à regarder à la croix, à regarder à ton Dieu. Et c'est ça notre force.
Et l'ennemi ne peut rien contre les hommes ou les femmes de Dieu, les enfants de Dieu qui marchent de cette manière-là. Et c'est la volonté du Père pour toi et moi. Dieu n'a pas fait les choses à moitié. Alléluia. Il se présente comme un Dieu puissant, mais en marchant avec lui, nous ne sommes pas tellement stables, nous ne sommes pas tellement rassurés. Frère, ce n'est pas ainsi le vrai Jésus de la Bible. Quand tu as le vrai Jésus de la Bible dans ta vie, frères et sœurs, il vient produire sa vie en toi. Son rôle, c'est de produire la vie de Dieu en toi. Et tu commences à voir les choses comme Dieu les voit. Même par rapport à ceux qui t'entourent, ton mari ou ta femme ou tes enfants, tu commences à voir le cœur de Dieu. Tu ne juges pas les gens par rapport à leur passé ou par rapport à leurs erreurs. Alléluia. Parce que si Dieu devait nous juger par rapport à nos fautes ou nos erreurs, personne d'entre nous ici aurait de l'espoir. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. C'est très, très, très important. Et c'est une démarche, c'est une attitude de foi. Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Et quand on se porte vers l'avant comme ça, nos yeux sont braqués sur le Seigneur. Alléluia. Et auprès du Seigneur, on reçoit la capacité d'avancer, l'assurance de pardonner les autres. Alléluia. De minimiser des choses qui pourraient créer des problèmes. Alléluia. Et on se concentre sur l'essentiel. Amen. Amen. Veux-tu faire comme Paul? Voulons-nous faire comme Paul? À la fin de sa vie, il va dire, j'ai combattu mon combat, j'ai achevé la course, la couronne de justice, mais réservée. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là. Comme une assurance comme ça. Alléluia. Le Seigneur veut que tu aies la même assurance. Amen. Dieu ne fait pas de favoritisme. Le Seigneur est bon pour nous tous. Il ne favorise pas les uns, il défavorise les autres. Cela dépend, ça dépend seulement de la manière qu'on s'approche de lui, de la manière qu'on veut saisir la parole du Seigneur. Amen. Dis à ton voisin, tout dépend de toi. Jésus est là pour toi. Amen. Gloire à Dieu.